Mais oui, mon cœur, je t'aime, mais bien sûr, je t'aime. Tu es ma vie, j'irai où tu iras. Mon pays sera toi, comme dirait Céline Dion. Oh, mais oui, partons, marions-nous. Marions-nous. Bonjour à toi, le juilletiste, qui peut-être se délecte d'un sandwich triangle sur une aire d'autoroute. Aujourd'hui, je viens te parler d'un spectacle. Aujourd'hui, je vais donc te parler d'un spectacle, du spectacle de Nora Hamzaoui, qu'elle joue depuis maintenant quelques années, je crois, parce que je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu il y a 2 ans, je crois, et je l'ai revu il y a pas très longtemps au théâtre Le République à Paris. C'est là où elle est en ce moment et c'est là où elle est cet été, où tu pourras peut-être la voir. Nora Hamzaoui, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est chroniqueuse également sur France Inter. Elle écrit aussi, parce qu'elle écrit très bien, des chroniques dans le magazine Grazia. Là, je m'adresse à la gente féminine qui me regarde. Et elle a, c'est l'information capitale, elle a un chat très mignon. Ça nous fait donc un point commun, parce que oui, moi aussi j'ai un chat, et ça aussi c'est une information capitale. Tu veux pas la montrer, tu sais? Mais si, je peux la montrer. Oh mien. Vas-y, n'hésite pas. Ceci est un chat. Lève la tête, on voit pas tes yeux. Nora Hamzaoui, elle a aussi, c'est capitale, des lunettes trop grandes pour elle, ce qui nous fait un deuxième point commun. Poil de chat dans le nez. Et elle est aussi pleine de névrose et d'angoisse, ce qui nous fait donc un troisième point commun. Alors, Nora Hamzaoui sur scène, de quoi est-ce qu'elle nous parle? Elle nous parle d'elle, elle nous parle de ses névroses, elle nous parle de son petit côté déprimé, trentenaire, un peu hystérique, voilà. C'est le personnage de Nora. Elle nous confie toutes ses petites louses du quotidien, ses petites louses de meuf, ces petites louses de meuf qui chialent à s'enfiler des cystites, comme elle dit. On s'identifie très facilement à elle dans ce spectacle. Elle parle aussi des mecs, elle parle aussi de l'hygiène des hommes, voilà. Et elle dit, eh oui, les hommes, même quand vous essayez d'être propre, vous êtes sale. Il y a aussi, attention, donc là, bouchez-vous les oreilles, mettez-vous des boules caisses, ça va être très, très technique, hein. Elle compare son anus à un œil, voilà, parce que oui, les gars, se mettre un doigt dans l'œil, ça fait mal. C'est donc beaucoup d'elle, c'est donc beaucoup... C'est très bizarre de dire que c'est beaucoup d'elle après la sodomie. C'est beaucoup d'autodérision, c'est parfois un peu des sujets un peu trash, on va dire, entre guillemets, mais c'est jamais vraiment choquant. C'est pas un spectacle interdit aux moins de 18 ans, rassurons-nous. Mon avis sur le spectacle... Alors Alex, t'as aimé le spectacle? Alors, t'as aimé ou pas? Eh bien oui, j'ai beaucoup aimé ce spectacle de Nora Hamzaoui. C'est hyper galvanisant de la voir sur scène. Tout s'enchaîne très très bien, c'est super fluide, c'est hyper sincère. Elle enchaîne vraiment les anecdotes avec un rythme qui est fou. C'est elle, c'est attachant, et du coup ça marche parce qu'on y croit. On rigole. Je m'adresse à vous les garçons, c'est peut-être un peu girly pour vous. Pour le coup, moi quand j'y suis allée avec un ami de sexe masculin. Il a adoré, c'est-à-dire qu'il y est retourné même après sans moi, avec une autre fille. Très bizarre cette histoire. Grâce à Nora Hamzaoui, on relativise notre petite vie de célibataire devant la télé. Je n'ai plus honte de manger des plats picards ou des dinosaures le vendredi soir à 20h en combi, en pilou-pilou. Non, je n'ai plus honte. Grâce à toi, Nora, je te remercie. Donc, si tu ne sais pas quoi faire demain, tu peux aller voir le spectacle de Nora Hamzaoui. C'est au théâtre Le République à Paris. Tout cet été, donc s'il fait moche ou même s'il fait beau, eh bien tu peux aller la voir, tu peux te faire ton propre avis et me dire ce que tu en as pensé. Mmh.